Le top, le top France Bleu, nouveau talent. Et je propose de découvrir Philippe Laurent ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous habitez à Argicourt, c'est comme ça qu'on prononce. Près de Saint-Quentin. Ouais, près de Saint-Quentin dans l'Aisne. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et vous allez nous présenter votre musique. À quoi elle ressemble votre musique, Philippe? Écoutez-moi, c'est plus variété pop folk. D'accord. Ça fait des années maintenant que vous êtes dans ce style musical. Je fais de la musique depuis très très longtemps, professionnellement depuis un peu moins longtemps, mais j'ai toujours baigné dans la musique en fait. Ouais, vous avez été chanteur d'orchestre, vous avez participé à plein de spectacles, des cabarets, des nombreuses scènes en France et en Belgique. Mais alors je vois à côté première partie, Monsieur Philippe Laville, Monsieur Gérard Lenormand, c'est pas rien. Oui, il y a aussi Alain Chamfort. Ouais. Il y a plein d'artistes comme ça qui m'ont donné l'opportunité de pouvoir présenter mes chansons lors de leur spectacle. On vous découvre ce soir sur France Bleu avec une toute première chanson découverte, nouveau talent à découvrir dans le top. Il s'appelle Philippe Laurent et elle, mais elle au pluriel. Elle aime les fleurs, les mots murmurés en douceur, se sentir aimé, choyé, désiré. Elle berce nos cœurs, efface nos angoisses et nos peurs, trouve les mots qu'il faut et nous bouscule quand rien ne va plus. Elle traîne les pieds quand on veut jouer les hidalgos et tire un trait sur le passé, tire les rideaux. Rien n'est joué tant qu'elles ne l'ont pas décidé, quitte à se faire appeler désirée. Elle, au pluriel, c'est la découverte ce soir sur France Bleu. Il s'appelle Philippe Laurent. Qu'est-ce que vous racontez dans cette chanson, Philippe? Bah, écoutez, j'ai voulu un peu décrypter la femme. Mm-hmm. La femme avec sa féminité, ses pouvoirs sur nous les hommes. Ah ouais? Tu vois qu'elle a du pouvoir, la femme, sur nous? Bah, écoutez, le pouvoir de pouvoir faire beaucoup de choses. Parfois, Mais je suis d'accord avec vous, hein. Attention. Oui, il faut être honnête. Et oui, elle, c'est d'ailleurs le titre de la chanson qu'on a écoutée, mais c'est aussi le titre de votre album sur lequel il y a 12 titres. D'une manière générale, vous parlez des femmes ou vous parlez d'autre chose dans cet album? Je parle un peu de tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons, sans le faire exprès, qui sont représentatives de la femme. Ouais. Maintenant, il y a d'autres sujets que j'ai abordés, comme le suicide chez les adolescents. Ouais. Et c'est un fait d'actualité, on en parle peu, mais j'ai récemment encore vu un reportage à ce sujet. Il y a plein de choses, il y a les faits de la vie courante, il y a l'actu, il y a l'amour, il y a ces faits de société. Justement, on découvre une autre chanson ce soir avec vous, Philippe. Elle a posé ses valises à mille lieues d'ici, troqué sa vie de citadine pour un petit coin de paradis. Fini la vie de bobo, les beaux quartiers, les tenues chic. Aujourd'hui, c'est les pieds dans l'eau, quel philosophe, quelle analyse. Plus de choses inutiles, juste de quoi combler sa vie. La vie urbaine et ses contraintes, désormais c'est fini. Elle affiche de nouveau ce sourire magnifique qu'elle avait peu à peu perdu parmi les fourmis du bitume. Car aujourd'hui, les âmes en peine, vous découvrez Philippe Laurent, une autre chanson extraite de votre album, Philippe, qui s'appelle Elle. On le disait tout à l'heure, vous avez fait plusieurs premières parties. Au-delà des premières parties, il y a des concerts solo maintenant, Philippe. Voilà, il y a des concerts solo dans les cabarets, dans les petites salles, et puis je prends beaucoup de plaisir à rencontrer le public. Alors, vous allez être le 14 février, donc c'est pour la Saint-Valentin, vous serez à Cambrai ou à Valenciennes? J'ai pas compris. Non, le 14, je serai à côté de Valenciennes, à Denain. D'accord, le 5 mars, vous êtes à Anezin. En avril, vous serez à Lens. Voilà, à Lens. Et puis après, il y a d'autres dates qui viennent d'arriver aussi pour l'été. Je serai au Casino de Formaon entre en juillet et août prochain. Parfait. Bah écoutez, Philippe, on va vous suivre. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut vous suivre, justement? Oui, www.philippe-laurent-artiste.com. J'espère que vous avez bien tout retenu. Merci en tous les cas d'avoir... L'album est en vente chez Cultura à Saint-Quentin et via les sites sociaux. Évidemment, téléchargement, plateforme de téléchargement. Merci d'avoir été avec nous à Saint-Quentin, dans l'Aisne. C'est notre artiste ce soir, Philippe Laurent. Faites comme lui, hein, vous voulez faire découvrir votre musique chaque soir sur France Bleu. Une seule et unique adresse, mail. Décidément, ça vous fait beaucoup d'adresses à noter. Le top découverte @radiofrance.com. Même si vous n'avez rien pour noter parce que vous êtes dans la voiture, ça se retient super facilement. Top découverte @radiofrance.com.